Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore Dieu? Nous a fait la grâce d'être compté parmi les vivants. Ce n'est pas par nos prières et par nos mérites que nous sommes en vie ce matin, mais c'est par sa seule miséricorde. Encore nous acclamons Dieu, nous acclamons le Dieu qui nous fait grâce encore ce matin, le Dieu qui nous renouvelle ses bontés. Et il faut que la qualité de ton acclamation soit sincère. Si l'on n'acclame pas, je dis toujours que si tu fais pour Dieu, assure-toi de bien le faire. Parce que notre Dieu est un Dieu de détails. Il voit la manière dont tu l'acclames, il voit les mains qui sont en train de se mettre ensemble, il voit ta bouche qui est remplie de reconnaissance, il voit ton cœur qui exulte de joie. Quelqu'un donne un amen d'action de grâce ce matin. La résurrection a eu lieu un matin. Et la Pentecôte a aussi eu lieu un matin. Souvent, Dieu fait des choses en matinée. Pourquoi? Ça, c'est ce que j'ai découvert. Quand Dieu a des grandes choses à faire, des bonnes choses à faire, il n'attend pas qu'il y ait tout le monde. Il atteint ceux qui ont soif. Ceux qui devancent l'aurore. Je vous le dis, non, c'est pas moi, ce sont des Écritures. Hein. Les grandes rencontres, les grandes visitations, beaucoup ont eu lieu le matin. Parce que le matin, il y a un prix qui est plus lourd à payer. Il y a un effort qui est plus consistant à faire. Vers 5h du matin, vers 4h du matin, c'est là que généralement Dieu vient rencontrer ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est un autre mystère encore. Et ce matin, nous sommes là, comptons seulement sur sa grâce, quelqu'un dit amen. Nous voulons dire encore à Dieu à quel point nous nous attendons à lui. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous avons chanté. Nous ne chantons pas en fait, nous invitons l'Esprit. Ce n'est pas des chants. Il ne faut pas croire qu'on chante en attendant les orateurs. Non, on chante pour apprécier, pour honorer la présence de Dieu, pour chérir la présence de Dieu, la magnifique, la délicieuse et la douce présence de Dieu. Amen. Saint-Esprit, miséricorde. C'est le matin, c'est normal. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Pendant une minute, disons-le lui. Mais il faut que tu le dises avec tout ton cœur. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, présence de Dieu, Saint, oh Paraclet, Paraclet, mon amour, mon ami, mon Seigneur et mon Dieu, mon Maître et ma vie, Saint-Esprit, ce n'est pas un chant. Je t'appelle mon Dieu, Saint-Esprit, dès le matin, nous t'invitons, Saint-Esprit, ô Paraclet, ma chambre des bras, je me tiens devant toi, ô Paraclet. Invite-le pour toi-même, Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit, appelle le Saint-Esprit, ô Paraclet. Nous avons besoin, Saint-Esprit, encore aujourd'hui. Ô Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Le retour, s'il vous plaît. Nous t'invitons au Paraclet, Saint-Esprit, ô Saint-Esprit. Ah, mon amour et mon Dieu, mon trésor et ma passion, mon Dieu, mon tant aimé, Saint-Esprit, mon habiba, ma chamane, Saint-Esprit. Invitons-le encore et encore. C'est l'offrande du matin. Saint-Esprit, chamade les bras, yabaraka. Une dernière fois, Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette
Mais c'est dans son église, c'est au milieu de son peuple
que ceux qui l'aiment l'acclament. Abba Père, dans le nom de Jésus le Christ, ce matin, nous sommes en présence de ton esprit. Père, en présence donc de ta présence, nous sommes reconnaissants de ce que tu nous fais grâce, ô Dieu, de nous tenir devant toi avec des cœurs pleins de reconnaissance. Car tu as dit entrer dans ces portes avec des cœurs reconnaissants. Pas d'abord avec des besoins, mais avec appréciation. Et ce matin encore, Père, dans le nom de Jésus et par le Saint-Esprit, nous voulons non seulement donner à Dieu des actions de grâce, mais nous voulons abuser, nous voulons exagérer dans les actions de grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, dès la première session, pour commencer à exagérer avec ton cœur? Exagère en action de grâce. Ça veut dire, faisons plus que ce que tu fais d'habitude. Dépasse tes limites habituelles. Dépasse les limites habituelles. Apprécie Dieu. Acclame Dieu. Soit tu acclames, soit tes mains sont levées. Dans le nom de Jésus le Christ. Ce n'est pas une obligation. Mais s'il y a quelqu'un qui l'aime, qu'il offre à Dieu sa louange. S'il y a quelqu'un qui l'aime, qu'il apprécie son Dieu librement, humblement, simplement. Élève-le, bénis-le, apprécie-le, chéris-le. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous te sommes reconnaissants. Il y a quelqu'un qui est reconnaissant, qui s'attend à toi pour hier, aujourd'hui et pour demain. Nous sommes en train de t'apprécier, nous ne perdons pas notre temps. Nous sommes en train d'apprécier Dieu, nous sommes en train d'offrir à Dieu continuellement des actions de grâce. Nous ne perdons pas notre temps. Bien au contraire, reçois notre appréciation, la gloire, reçois la louange, reçois la louange, reçois célébration, appréciation, des ovations, des cris de joie. Avec la voix que nous avons, nous faisons monter nos cris de triomphe. Quelqu'un donne à Dieu un amen d'appréciation. Amen. Et entendre ton amen fort à ton Dieu vivant. Une fois de plus ce matin, je tiens à saluer humblement et sincèrement et avec beaucoup de joie les ministres de Dieu, nos frères, nos sœurs qui nous visitent, ceux de la maison ICC, ceux de Vase d'Honneur et ceux de toutes les églises. Nous sommes heureux de vous avoir, tous les ministres de Dieu, serviteurs et servantes du Dieu vivant, servantes de Jésus, soyez honorés, soyez bénis. Nous vous honorons, quelqu'un me donne un bon amen. Et ce matin, je le dis encore, j'honore et j'apprécie, je célèbre la vie de son serviteur, l'apôtre Ivan, le pépé, et de son épouse, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui, sans qui Dieu n'aurait pas fait ce que Dieu a fait. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour travailler avec nous. Dieu attend que nous soyons disposés et disponibles. Quelqu'un dit amen. Alors je voudrais faire quelque chose. Au lieu d'honorer l'homme de Dieu, l'apôtre Ivan et son épouse, juste par nos acclamations, pendant une minute, parce que je dis toujours aux gens, c'est mieux de prier pour quelqu'un que d'acclamer Dieu. Donc je voudrais, est-ce que ça va? Cet édifice va introduire ICC dans une nouvelle dimension de problèmes, de difficultés, de challenges, de défis, des situations étranges qu'on ne connaissait pas hier. Chaque fois que Dieu te fait monter, il y a des nouveaux ennemis qui vont apparaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc honnêtement, ce dont il a besoin, Maman Maude et le pépé, ce n'est pas seulement tes acclamations. C'est même si c'est une minute, mais t'es une minute de prière avec foi, avec ardeur. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. La Bible dit que quand il priait, il priait avec ardeur. La prière du juste, mais la prière avec hardiesse, a une grande efficacité. Il n'a pas dit que c'est la longueur de la prière qui importe, il dit que c'est la prière. Donc je voudrais que pendant une minute, on élève la voix en faveur de son serviteur et on prie en esprit. Parce que la vérité, c'est que tu ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais Dieu sait que quand tu parles à Dieu maintenant, pendant les prochaines 60 secondes, parle avec le langage que Dieu t'a donné, le langage des mystères, avec le code crypté entre le ciel et la terre, entre le ciel et toi. Élève ta voix. Père, nous te prions pour ton serviteur. Élevons tous la voix. Élevons la voix. Que tout ce qui a une bouche, abraque et bande l'obrage, kabara. Et la barade de Ziakaprade, Mayan de Lebaba. Nous sommes en train de prier pour l'apôtre et son épouse Maud. Et Kama, et Teba,
Église prie, toi qui es connecté, prie, Mandela Brato Coopérade. Paul a dit, priez pour moi, Iko Paria Mandea, les Maya Chandele, Rakate, les Mamas Operia, et pas les Comiato Limade, Regeda, Baba Kondi Yabara, Abba les Coopérade, Ababa. Nous te prions pour ton serviteur vivant et pour ta servante mode. A commande la babarra canto peria e calia maleso media lobela kaya barraca. Est-ce que tu es en train de prier? Portez le serviteur et la servante, portez les instruments par lesquels Dieu s'est choisi. Mako sakata bara e nogara et tete et tabarra tata masome dalabra e comparadia mabarra kata. Mande le braco scapra, aia came sopra casa, le mani le barreto parade te perea, e ma o soliaca, nous portons ton serviteur et son épouse, ne babara de te barosa, père, oh Dieu qui écoute les prières, et barata, toi qui écoutes les prières, et nabaro, et nebere de dede. Toi qui écoutes les prières, entends nos prières, Ika Mandela Bra, en faveur de ton serviteur et de ta servante, que tu as établi dans la maison ICC Lema, et Nabara et Maria Bare Yaba, Raka Maho Shaka, Père Papa, toi qui écoutes les prières, entends nos prières, Abba Père. Jésus, il y a quelqu'un qui a prié, et si tu as prié, donne amen. Oh Dieu qui écoute les prières, oh donne-lui ton meilleur amen. Oh. Alors que nous sommes assemblés à bas, Père, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas, nous ne savons pas parler de la part de Dieu, c'est pas possible. Tu es beaucoup trop grand, beaucoup trop infini, non insondable. Qui peut parler de ta part? Voilà pourquoi tu as dit, ce n'est pas par la volonté humaine que les hommes peuvent parler de la part de Dieu. Impossible, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors Esprit de Dieu, ô Saint-Esprit, nous tous, nous avons le regard vers toi. Nous sommes venus ce matin pour nous attendre à toi. Seigneur, il n'y a en nous rien. Tout ce qu'il y a en nous, c'est seulement la grâce que tu as déposée. Alors nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur le ministère que tu nous as confié, ce ministère apostolique dans lequel tu nous as établi et tu nous as envoyé. Confirme-le aujourd'hui encore dans la vie de ce frère et cette sœur qui est venu ce matin pour recevoir ta parole et tout ce que tu as envie de faire. D'avance, nous te rendons gloire de ce que ce n'est pas l'homme que tu viens élever si je refuse. Il est écrit que du soleil levant jusqu'à son couchant, un seul nom doit être élevé. C'est le nom de Jésus de Nazareth, le Christ, à la gloire de Dieu le Père, par le Saint-Esprit. On sent que au commencement et à la fin, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui est honoré, qui est apprécié. Reçois nos actions de grâce, excellent Père, au nom de Jésus. Quelqu'un qui a reçu, quelqu'un qui le croit, donne un amen à Dieu maintenant. Et vous asseoir dans sa présence, le temps nous est compté. Bienvenue à cette première session. Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. Quelqu'un dit un bon amen. Hier, Dieu nous a parlé et depuis cette semaine, Dieu nous parle conquérant et témoin. Et nous avons vu ensemble hier que personne, Jésus est le bon exemple, Jésus est le seul exemple, Jésus est la référence pour tout croyant. Pour quiconque est né dans ce monde, Jésus est venu nous montrer le bon exemple à suivre. Il est notre modèle par excellence, il n'y en a pas deux, il y en a un, c'est Jésus le Christ. Et tout modèle humain doit suivre le Christ. Paul a dit, soyez mes imitateurs, mais comme moi-même je le suis de Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen. Il est venu, je vous ai dit hier, je le dis encore et tous les orateurs l'ont dit. Et nous bénissons Dieu pour la qualité des orateurs, la qualité des enseignements, la qualité des messages qui nous sont donnés depuis le début de cette semaine. Nous sommes reconnaissants. Vous savez, je te répète encore, quand tu acclames Dieu, il ne faut pas faire semblant. Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. On ne t'a pas obligé, tu n'es pas fâché, quelqu'un dit amen.
Non. Quand on acclame Dieu, on le fait de tout son cœur ou bien on ne le fait pas du tout. Moi-même, j'ai dit Amen et je continue de vous asseoir. Personne, Jésus nous a montré l'exemple qu'il avait une destinée qu'il devait accomplir pour laquelle il avait été mandaté sur la terre. Jésus est né fils de Dieu, mais Jésus n'a rien fait jusqu'à l'âge de 30 ans tant que la présence de Dieu et la puissance de Dieu ne lui soient pleinement accordées. En vérité, la présence de Dieu, il avait déjà, parce que le Père était déjà en lui dès sa naissance. Son Père s'appelle le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Donc lui, il marchait déjà dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Mais il lui manquait une autre dimension. Il lui manquait la dimension de la puissance de Dieu. Il lui manquait le revêtement de puissance. Et le revêtement de puissance, pour l'obtenir, il a dû parcourir un certain chemin. La première chose qui s'est passée avec Jésus, c'est qu'il a reçu à l'âge de 30 ans, il a été rempli du Saint-Esprit, comme toi et moi, nous avons été remplis du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Et si tu n'as pas été rempli du Saint-Esprit, attends-toi à ce que l'Esprit de Dieu, tout à l'heure, on va engager la prière, que l'Esprit de Dieu te remplisse avec évidence comme parler en langue. Et toi qui parles déjà en langue, attends-toi à ce que tu montes à un autre niveau de parler en langue. Attends-toi à ce que la grâce de l'interprétation des langues te soit accordée. Attends-toi à ce que les dons spirituels te soient distribués. Oh. La Pentecôte, ce n'est pas... La Pentecôte, c'est tous les jours. Tous les jours, quand on s'assemble, c'est le jour quand on s'attend pour... Ah, on s'attend à Dieu, mais Dieu fait grâce. Quelqu'un dit un bon Amen. Donc toi, prépare seulement ton cœur et sois concentré. La Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 44, que pendant que Pierre était en train de parler, le Saint-Esprit descendit. Donc pendant que je parle là, s'il vous plaît, tu ne t'occupes pas de ton voisin. Mais tu vas t'occuper de ton voisin si jamais il est secoué. On ne sait pas comment parfois Dieu fait ces choses. Parfois Dieu opère dans le silence, dit Amen. Parfois Dieu aussi démontre sa puissance. Des fois l'Esprit, il aime ça. Et il ne faut pas être mal à l'aise. Il ne faut surtout pas être mal à l'aise quand l'esprit... ouais, tu vois, bon. C'est lui qui fait. Le jour où tu es tellement mal à l'aise avec les manifestations de l'esprit, il ne fera plus rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut être béni, il faut être honoré, il faut être sélectionné, il faut être privilégié quand l'esprit est en train de travailler dans son église. Quelqu'un me dit un bon Amen. Donc si toi, tout à l'heure, tu vois qu'il le fait... Peut-être la sécurité, je ne sais pas comment il va faire tout à l'heure, mais moi, je m'attends à lui seulement. Mais des fois, j'ai vu des choses étranges se passer. J'ai vu les chaises décoller des fois. Donc, Dieu merci, les chaises sont fixées. Mais quelqu'un me dit Amen. On s'attend seulement à lui. Jésus de Nazareth a attendu l'âge de 30 ans pour commencer à accomplir la mission pour laquelle le Père l'avait envoyé. Toi aussi, tu as un mandat, tu as une mission, tu as un appel, on en parle tout le temps. Découvrir sa destinée. Pour la découvrir, la seule personne qui peut te révéler ta destinée, c'est-à-dire ce pourquoi tu es né, s'appelle l'Esprit de Dieu, s'appelle l'envoyé de la présence du Père et de Jésus le Christ. Il vient en toi et il va te révéler la volonté parfaite de Dieu. Et pour ça, il faut le chercher. Quelqu'un dit Amen. Et là, oh, quelqu'un dit Amen. Il révèle la volonté de Dieu, mais c'est une chose d'avoir la révélation de la volonté de Dieu. C'est encore une autre chose que de la faire, de commencer à y marcher. Et c'est une chose que de marcher, oh mais alors, c'est une autre chose que d'accomplir la course, de finir la course. Mon frère, ma soeur, je te le dis, c'est dur. Qu'on ne te mente pas, c'est dur. Voilà pourquoi, pour découvrir, pour marcher dans la volonté de Dieu et pour terminer la course, Jésus savait que tu ne peux pas le faire avec ton intelligence humaine, ton intelligence, tes bonnes intentions, ta bonne volonté. Ça ne marche pas. Tu as besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, de la puissance d'en haut, pour être capable non seulement de comprendre la volonté de Dieu, de marcher dans la volonté de Dieu et de finir la course, c'est-à-dire d'accomplir pleinement la volonté de Dieu. Tu as besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu. Si c'est à toi que je parle, toi tu me dis un bon Amen. Jésus savait que toute chose sur la terre marche par la puissance. Voilà pourquoi il attendait la puissance. Il était né de Dieu, il était envoyé par Dieu, mais il attendait la puissance. Il attendait d'être revêtu de la puissance. Et cette puissance a commencé quand il a été rempli du Saint-Esprit. Il a été introduit, dis avec moi, introduit. Il était introduit dans la vie de puissance. C'est-à-dire, il a eu accès à ce qu'on appelle, comme on disait ça déjà hier, hein, les mises en bouche. C'est terrible pour quelqu'un d'aller à la piscine ou d'aller à la mer nager. Et puis il arrive, et l'eau atteint seulement les pieds et il est satisfait.
tu ne seras jamais satisfait quand tu vas nager et que l'eau se trouve au niveau de tes pieds. Tu as envie de faire des brasses, tu as envie de faire des crawls, mais l'eau est au niveau des pieds. C'est ce qui se passe quand tu es rempli du Saint-Esprit au commencement, avec évidence du parler en langue. Ce n'est en vérité que le début, c'est que le commencement d'une vie de puissance. Mais plusieurs se sont arrêtés là et puis sont contents, mais tu es frustré. Toi, tu sais que tu es frustré, moi je sais que tu es frustré, Dieu sait que tu es frustré. Parce que ça ne marche pas. Quelqu'un me dit amen. Ce monde est un monde, ce monde dans lequel nous sommes est un monde qui est contrôlé par les puissances. Par les puissances. Ta vie est contrôlée par des puissances. Quand tu es né, tu viens d'une famille. Il faut que tu saches une chose, que tu sois rouge, que tu sois jaune, que tu sois blanc, que tu sois noir, dans ta famille là, il y a des générations en arrière, des hommes ont fait des choses, des hommes ont fait des alliances, des pactes avec des créatures maléfiques. Ça peut arriver. Et dans beaucoup de nos familles, ça existe. Qu'on ne se trompe pas. Et ces pactes, ces alliances. Mais ne blaguez pas, mon frère. Ne blague pas, ma soeur. Ces pactes sont des pactes qui ont été faits depuis longtemps. Les lignes. Demande à David. Pourquoi David était aussi impudique? Pourquoi Salomon était aussi impudique? Comment un homme peut être aussi immoral? Il aime Dieu. Il craint Dieu. Mais il est immoral. Il aime Dieu. Il chérit Dieu. On l'appelle Yedidia Salomon, c'est-à-dire le bien-aimé de Dieu, celui que Dieu aime. Oui, mais il se retrouve contrôlé par des puissances qui le poussent à aller chercher les femmes. Il n'est pas satisfait d'une femme. Il veut absolument chercher les femmes. Pourquoi? Quand tu regardes la lignée d'où il vient, sa lignée parentale, son père, la racine, le papa, la Judas, un homme impudique. Frère, il y a des choses qui te combattent sans que tu saches. De la même manière que tu as hérité un nom, c'est ton héritage, mais tu as aussi des héritages que tu ne désires pas, mais qui sont là. Et ces héritages-là, souvent, ce sont des lois établies, c'est-à-dire des esprits qui contrôlent ta lignée paternelle, ta lignée maternelle. Beaucoup d'entre nous, nous combattons avec des choses que nous ne comprenons même pas. Nous luttons contre des choses que nous ignorons. Nous ne savons même pas d'où ça vient. La nuit, tu dors, tu vois des créatures. Tu vis des situations que tu ne comprends pas. Ça vient d'où? Ça vient des puissances. Des puissances des ténèbres, des puissances maléfiques. Mais elles ne sont pas rentrées aujourd'hui. Il y a des péchés que tu commets aujourd'hui qui en ajoutent. Mais il y a des péchés que tu n'as même pas commis. Mais des choses que tu vis, des choses étranges. Des expériences négatives. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des expériences malheureuses. Des frustrations. On nous a dit, ouais, tu vas prendre les livres, puis récite, je crois, je déclare. Ces puissances ancestrales. Ces puissances qui contrôlent les familles. Qui contrôlent les familles. Hé, hey, mon ami, mon frère, ma soeur. Surtout quand dans les familles, il y a eu de l'idolâtrie. Si dans ta famille, il y a eu de l'idolâtrie. On a adoré les idoles. Hey. Si dans ta famille, les gens pratiquaient des sciences occultes. Sache une chose, tu viens d'une famille dangereuse. Tu aimes Jésus, oui. Mais tu vas te retrouver à faire des choses que tu ne comprends pas. Que tu ne voulais même pas faire. Mais tu es comme poussé par des forces bizarres qui te poussent à te détourner de la volonté de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi Jésus savait. Quand il montait, il a dit, vous ne bougez pas. Je veux faire de vous des témoins. Des témoins. Mais des témoins étudiants. Pas des étudiants, mais des étudiants témoins. Pas des infirmières, mais des infirmières témoins. Pas des ingénieurs témoins. Pas des cadres, laissez ça. Mais des cadres témoins. Pas des financiers, mais des financiers témoins. Pas des architectes témoins. Pas des pasteurs, mais des pasteurs témoins. Quelqu'un dit amen. Pas des écoliers, non. Des écoliers témoins. Nous avons vu la puissance de Dieu saisir nos jeunes de 5, 6 ans, 10 ans, remplis de la puissance de Dieu. Pourquoi? Nous avons vu comment le diable initie les enfants à la sorcellerie. C'est incroyable. On va dans les campagnes, les enfants de 6 ans, les enfants de 10 ans, 12 ans, des mystiques initiés à la sorcellerie dès leur jeune âge. Et ils détruisent les autres enfants dans les écoles. Ils les paralysent, ils leur enlèvent l'intelligence. Dans la classe, ils ont été initiés. Alors pourquoi nos enfants ne seraient pas introduits au règne de la puissance de Dieu? Les Jérémie ont été capturés tôt. Que tes enfants soient revêtus de la puissance d'en haut aussi au nom de Jésus-Christ. T'as eu des choses auxquelles tu pensais, oh, quand mes enfants grandiront, c'est maintenant. Le diable n'attend pas que tes enfants grandissent.
Quand il faut le détruire, il est détruit maintenant. Quelqu'un me dit amen. Nous avons besoin de la puissance de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Tu n'as pas besoin de la puissance quand tu es pasteur, c'est faux. Tu as besoin de la puissance quand tu es professeur, quand tu es enseignant, quand tu es médecin. Parce que la puissance va faire de toi un témoin. La puissance fera de toi un témoin. Un médecin, mais un médecin témoin. Tu reçois les patients, mais tu sais que tu as une autre grâce que les autres n'ont pas. Ce qui va te distinguer dans la vie, c'est la puissance. La puissance de Dieu te distingue. Le manque de puissance fait de toi quelqu'un de banal, quelqu'un d'ordinaire. Tu es comme tout le monde. Tu chantes comme tout le monde. Ce qui fait des chantres extraordinaires, c'est des chantres témoins. On ne veut pas des chantres. Que les chantres se réveillent. On ne veut pas de vous, chantres. On ne veut pas de vous. On veut des chantres ouins. Des chantres qui ne chantent pas par la technique, mais par la puissance. La puissance qui touche le cœur. Afin que quand vous chantez, les malades sont guéris. Quand vous chantez, les gens se tournent vers Jésus. On ne veut pas des directeurs généraux. Laissez ça. Oh, chef de service. Non, on veut des témoins. Quand tu es chef de service, quand tu es chef dans ton service, on dit, ah, le chef, il est bizarre. Moi, il m'appelle mystique. Il dit, le DG est un homme mystique. Je dis, je suis même très mystique. Blague avec moi. J'avais dit à Dieu, oh Dieu, si tu fais de moi un patron, fais de moi un patron with power. Qui découvre que la puissance de Dieu travaille dans les affaires, travaille dans les ministères, travaille dans tous les domaines. Tu as besoin de, quel que soit le couloir dans lequel Dieu t'emmène, tu as besoin de power. Tu as compris, non? Tu as compris? Quel que soit le couloir, je ne sais pas. Oh, je suis coiffeuse, ma chère, ma soeur. Il y a coiffeuse, puis il y a coiffeuse. Il y a coiffeuse témoin. Quand on vient dans ton salon, quand tu coiffes, il y a une grâce sur toi qui n'existe pas sur les autres. Donc ici, on coiffe bien, on s'en souvient. Et on revient se faire coiffer et on donne des grands pourboires. C'est pourquoi la puissance qui va travailler par toi va les attirer. Oh. Quel que soit le domaine dans lequel Dieu t'appelle à travailler, à œuvrer, ou les domaines, chacun des domaines, il va falloir que tu manifestes la puissance. Et il n'y a pas de puissance s'il n'y a pas de prière. Parce que ça le doit donner un détail très important. Une des manières de conserver la puissance, d'abord de la recevoir et surtout de la conserver, c'est le cœur pur. Ah oui, parce que quand tu as la puissance, là, tes épaules vont gonfler. Quand tu as la puissance, quand Dieu manifeste sa puissance, ta renommée, que tu le veuilles ou pas, quand tu es rejeté ou pas, ta renommée va être établie. Ta renommée, tu seras connu. Qui connaissait David? Personne. Le petit David, personne ne connaissait David. Personne ne calculait David. C'était un petit berger. Là derrière les brebis de son père, ils s'en occupaient. Personne ne calculait David. Mais quand il a été revêtu de l'onction, de la puissance de Dieu, la puissance de Dieu a distingué un homme qui était le dernier de sa famille. La puissance de Dieu, elle a pris David, un homme ordinaire, elle en a fait un homme extraordinaire. La puissance te met dans le monde du miraculeux. La puissance de Dieu te distingue. La puissance de Dieu te met à part. Tu n'es plus comme tout le monde. Même quand tu es le petit frère, les grands frères vont t'appeler Yaya. Mon frère, quand la puissance vient sur toi, même les aînés vont commencer à dire, petit, bon, tu es le petit, mais tu es le grand. Oh, oh, con. Quand la puissance de Dieu vient sur toi, tu as besoin de la puissance. Dis avec moi, j'ai besoin de la puissance de Dieu. Tout le monde a besoin, c'est pas toi, c'est le Père qui le veut. Parce que le Père sait que sans puissance, tu vas subir. Je vous ai dit que ce monde est un monde de puissance. Ce monde naturel est contrôlé par le monde spirituel. Et le monde spirituel, ce sont des esprits. Les bons esprits, bien sûr, les anges de Dieu. Et puis les mauvais esprits. Les ténèbres couvrent la terre. Nous sommes de Dieu. Et ce monde entier, 1 Jean 5, 19. Ce monde entier est sur la puissance, le pouvoir du malin. Chaque esprit, chaque vie, je te le dis, ta vie d'abord, elle est sous l'influence des esprits. Lesquels? Les esprits se battent pour contrôler ta vie. Soit Dieu par son esprit, soit les esprits du monde. Ils se battent pour te contrôler. Tu es l'objet d'une grande guerre.
Tu es l'objet. Voilà pourquoi je te répète, la pureté de cœur est capitale. La mauvaise nouvelle, c'est que ton cœur peut être pur au mois de juin, parce que tu l'as tellement purifié, et au mois de juillet, il est encore souillé. Voilà pourquoi il est écrit, garde ton cœur chaque jour, plus que tout ce que l'on garde. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas l'objet de mon message. Dis-moi amen et je continue. Quand on parle de puissance, oui, il faut qu'on parle du cœur. Parce que beaucoup se disqualifient. Ce n'est pas tout de commencer à monter, il faut rester en haut. Ah oui. Quelqu'un dit amen. Tu as besoin. Dans quel domaine tu es appelé à travailler? Quel est ton statut? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On s'en moque. Tout ce que Dieu dit, c'est que tu as besoin, un, du Saint-Esprit, deux, de sa puissance. Jésus a attendu la puissance de Dieu. Il avait déjà le Saint-Esprit. Maintenant, Jésus monte, il dit à ses disciples, vous là, faites comme moi. Vous n'allez pas vous en sortir. Ce monde est un monde mystico-diabolique, satanique, maléfique, contrôlé par les puissances des ténèbres. Vos propres vies sont réclamées, soit par Dieu, soit par les puissances des ténèbres. Quelle astuce tu as, ça ne veut rien dire. Tout le monde travaille, tout le monde parle sous l'inspiration d'un esprit ou des esprits. Quelqu'un dit amen. Ce que tu vois n'est pas la réalité. Ce que tu vois n'est pas la réalité. La réalité, elle est spirituelle. Si quelqu'un me suit, dit amen et je continue. Les gens souffrent à cause des situations qu'ils n'arrivent même pas à expliquer. Contrôlés par des puissances. Il y a des familles entières qui sont contrôlées par la puissance de l'impudicité, de la débauche, de l'immoralité. Mon frère, si ton père était impudique, tes parents, d'ailleurs même, si on parle de l'impudicité, de l'immoralité sexuelle, c'est même le premier péché le plus répandu sur la terre. C'est le péché le plus répandu. Mon frère, ma soeur, donc il faut que tu saches, il y a un grand nombre d'esprits d'impudicité répandus dans l'église, hors de l'église, partout, dans les écoles. Et ils commencent à opérer dès l'âge de 3 ans. Tu as compris? Ah, tu croyais qu'ils attendaient que ton enfant soit mature? Ils travaillent. Ils opèrent, c'est une armée d'esprits maléfiques répandus partout, il y en a de tous les genres. Et ils contrôlent les vies, ils influencent les vies. Ils se battent pour te contrôler. Ils se battent pour entrer dans ton âme ou dans ton corps et te pousser à accomplir leur volonté. Et toi, tu ne peux pas juste résister en disant « Oh non, j'aime Jésus ». Ça ne veut rien dire. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour résister, pour vaincre. Tu as besoin de la puissance de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Je vous ai dit hier, chaque esprit émet une puissance. Tout comme un ordinateur, comme un téléphone émet des radiations, des fréquences. Et j'ai découvert que les esprits d'impudicité ont un niveau de puissance assez élevé. Pourquoi? Parce qu'ils sont répandus sur la terre. Le péché numéro un sur la terre, le plus vieux métier du monde, c'est lequel? Le plus vieux métier du monde. Ah, non, ce n'est pas la prostitution, c'est l'immoralité, l'impudicité, la débauche. Pour être débauché, c'est simple. De toute façon, tout nous encourage à être dans la débauche. Quelqu'un dit amen. C'est pourquoi ce sont des esprits qui ont de la puissance. Pasteur, pas pasteur, ils s'en moquent. Tout ce qu'ils cherchent, c'est un accès. Et toi, pour résister, moi, en parenthèse, les frères, surtout les jeunes, surtout en plus ici, là où les filles, les femmes mettent beaucoup de fond de teint, tout ça là. Donc tout le monde maintenant devient beau, belle. Non, c'est une grâce. Il y a des endroits où on ne peut pas mettre ça. Donc, tu es ce que tu es. Il y a des endroits en Afrique où on te voit, tu n'as pas l'argent. Donc, tu ne peux pas faire ça, ça se voit. Or, j'ai découvert qu'il y a ce qu'on appelle les... Ah, je ne sais plus comment on appelle ça. Là. Où tu es là, mais ton visage change par un maquillage. Ton maquillage peut changer le visage. J'ai vu des mariages où toutes les sœurs sont maquillées. J'ai dit, mais toi, je te connais. Oui, parce que... Oh, mais tu as l'air belle comme ça, mais je connais ton visage. Mais tu as changé. Oui, pasteur, c'est bien moi. J'ai dit miséricorde. Et le lendemain, quand tu as enlevé, j'ai dit, ah, c'était toi. Oui, c'était moi. Ah. Mes soeurs, vous aussi soyez un peu vrais. Bon, on ne parle pas de ça, en tout cas. Que les hommes me soutiennent ici, dites amen. Mon point, c'est le suivant. J'ai découvert que les esprits de débauche ont un rayonnement très élevé. Voilà pourquoi, frère, quand tu es à côté de certaines femmes, je te le dis entre nous, hein, entre nous, tu es à côté de certaines femmes, tu vois son visage. Tu ne sais pas pourquoi, mais en bas, là-bas, ça se réveille. Tu te sens un peu... Ouh, je ne suis pas indifférent quand je parle à cette sœur.
Conseil gratuit, faut fuir. Faut fuir. Si c'est pas ta femme, fuis. Je parle à quelqu'un. Tu sais pourquoi tu te sens un peu nerveux comme ça là? Parce que la sœur là, qui te fait cet effet là, souvent c'est un serpent. Sa puissance d'émission est forte. Et là, tu te dis, viens. Et toi, tu dis, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas pourquoi je suis attiré. Moi, je comprends. Tu manques de puissance. Sa puissance est supérieure à la tienne. Elle est en train de t'avaler. Quand c'est comme ça, il faut charger. Manco, mandé, la brasso, péke, la brababa. Parce que la puissance se génère dans la prière. Frère, on a vu des hommes braves tomber bêtement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin de la puissance. Les puissances spirituelles se battent pour contrôler ta vie, contrôler ta famille. Il y a tellement à dire quand on parle de puissance. La puissance de Dieu est indispensable dans tous les domaines de ta vie. Quelqu'un dit amen. Des familles entières sont assises sur la puissance de l'échec. Où on fait en sorte que quel que soit ce quiconque va se lever dans notre famille ne se lèvera pas. D'autres, c'est les puissances de la maladie. Elles gangrènent la famille. Elles oppressent la famille. Elles impactent la famille. Les mêmes maladies se retrouvent dans la famille. Pourquoi? C'est le règne de tel esprit qui domine la maladie. Ce sont des esprits forts. Ils sont puissants. Je dis bien, ils sont puissants. C'est vrai. Donc, ils émettent une puissance. Et quand ils te voient, toi, tu as le nom de Jésus. Tu as le Saint-Esprit. Tu parles en langue. Mais tu n'as pas connu le voyage que Jésus a connu. Tu n'as pas atteint le niveau où tu as été revêtu de la puissance d'en haut. Et dans la puissance d'en haut, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut y aller de manière illimitée. La puissance de Dieu, elle est illimitée. La bonne nouvelle, c'est que quelle que soit la puissance démoniaque qui travaille contre toi, même si c'est un homme fort, qui est dans la lignée familiale depuis 500 ans, qui dit que dans cette famille, personne ne s'en sortira. Qui dit que dans ce territoire d'où tu viens, personne ne s'élèvera. Pas toi, ils te combattront. Toi là, mon frère, quel est ton âge? On s'en moque. Pour accomplir la volonté de Dieu, tu seras combattu. Sache-le et réveille-toi. Le diable n'a pas eu pitié de tes parents. Il n'a pas eu pitié de tes ancêtres. Satan n'a pitié de personne. On voit le diable molester des enfants de 2 ans, de 1 an. J'ai vu la dernière fois un enfant, 2 ans, VIH, sida. Un enfant de 2 ans. La mère vient, pasteur, mon enfant a été diagnostiqué avec le VIH, sida. On lui dit qu'il me reste, il nous reste 6 mois, 3 mois à vivre, 6 mois à vivre, entre 3 et 6 mois. Elle commence à pleurer. J'ai dit, tu pleures pourquoi? Ton enfant ne mourra pas. Pourquoi tu pleures? J'ai dit, qui était mort? Qui est mort de VIH dans ta famille? Qui est mort de... Elle dit, non, personne. J'ai dit, dans ta famille, quelqu'un a dû mourir déjà de VIH. Elle dit, non, personne. Ah, pasteur, ma tante est morte de VIH sida. J'ai dit, oui, qui d'autre encore? Ah oui, mon oncle aussi est mort. J'ai dit, ok, donc c'est un esprit dans la famille qui se promène et il frappe. C'est comme un missile à tête chercheuse. Il va frapper qui? C'est un esprit de mort. J'ai dit, emmène-moi l'enfant. J'ai dit, esprit de mort, libère cet enfant. L'enfant a été libéré. 2 semaines après, elle allait faire les examens. Le VIH a disparu. Vous voyez, ce sont des puissances. Ce sont des puissances qui impactent la santé. Ils établissent un règne, le règne de la maladie. Ils sont puissants. Ils ont prié avant moi. Ils ont dit, avant on a prié, il n'y avait rien. J'ai dit, oui, moi j'opère avec un autre niveau de power. Et moi j'aspire à aller de gloire en gloire. Mon frère, quel que soit le niveau de puissance dans lequel tu opères aujourd'hui, il y a des niveaux qu'on n'a pas encore connus. Non, on doit aller plus haut. Aujourd'hui, que Dieu nous fasse grâce afin qu'on monte. Afin que tu montes. Dieu veut des conquérants. Dieu veut des conquérants. Dieu veut des témoins. Mais il n'y a pas de témoins sans puissance. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Il y a des parleurs, oui. Il y a des cadres, mais on veut des témoins. Et les témoins sont puissants, ça ne marche pas. Et la puissance sans prière, c'est impossible. La prière génère la puissance. Quelqu'un me donne un bon amen. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, quand ils ont prié, rappelle-toi, la Bible dit quand le Saint-Esprit est venu sur chacun d'eux, ils ont commencé à prier. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, la Bible dit dans Actes 2, verset 4, je crois, dès qu'ils furent remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler en langue. Quand quelqu'un veut générer de la puissance, plus puissance, avec un cœur pur, et tu pries, tu dois apprendre à devenir un homme, une femme de prière. Tu n'as pas le choix. Sinon, tu vas subir. Il y a plusieurs types de prières.
Il y a des prières d'édification que tu dois apprendre à générer au moins une heure. Une heure, tu n'as rien fait, mais au moins une heure. Tu dois prier au moins une heure tous les jours. Tous les jours, en langue, au moins une heure. Papara, tu mets la musique, tout ce que tu... On s'en moque. Soit sans musique, soit avec musique. Tu restes quelque part. Il faut que tu génères. Ça, tu es en train de faire. Tu es comme quelqu'un qui est dans une salle de musculation. Il y a des bodybuilders, c'est vrai. Et puis, il y a toi. Eux, ils musclent l'extérieur. Et puis, mais du village, on peut les tuer en aérien. La force d'un homme, ce n'est pas son corps, c'est son esprit. Celui qui prie en langue, il s'édifie. Lui, tu dois apprendre à prier au minimum une heure, sinon deux heures. Il faut que dans les 24 heures, on t'ait trouvé en train de... Qu'est-ce que tu fais? Même si tu ne comprends pas ce que tu dis, je te le dis, tu es en train de t'édifier. Tu es en train de bâtir ton homme intérieur. Tu es en train de préparer ton esprit pour les tentations à venir. Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Quand tu tombes, ça veut dire que tu n'as pas assez prié. Tu n'as pas généré assez de puissance pour que quand la tentation vient, elle dise, ah, ici, là, je vois, je constate que cette personne n'est pas capable. Je n'arrive pas à l'attraper. Je n'arrive pas à l'influencer. Je n'arrive pas à la capturer. Apparemment, son esprit génère aussi. Mon frère, le diable génère, toi, tu chekakataka. Il faut que, oh, mais il faut que tu augmentes. Il faut que tu augmentes le niveau. Le diable est impitoyable. Réveille-toi. Satan est méchant. On l'appelle le mal. C'est un destructeur. Il n'a pas pitié. Quand on fait les campagnes d'évangélisation, on se rend compte à quel point c'est terrible. Je bénis Dieu depuis qu'il m'a fait quitter l'église. Il m'a dit, quitte l'église, va chercher mon peuple. Va dans les territoires, va dans les arrondissements, va dans les quartiers. Pendant deux ans, j'étais dans la zone de confort. Voilà pourquoi les pasteurs l'ont dit avant moi. C'est bien d'être ici. Maintenant d'ici, il faut aller chercher les brebis perdues de la France, perdues de l'Europe, perdues de nos territoires. Il faut aller chercher les brebis perdues de nos territoires. Je veux entendre ton amen. Et pour ça, donc, il faut prier. Dis amen. Mais qu'est-ce qui t'emmène à prier? Prier pourquoi? Le pasteur Mohamed l'a dit hier. C'est pas prier pour tes besoins. Non. Il y a un autre niveau de prière. J'ai parlé de prière d'édification, où tu apprends à prier en esprit, par l'esprit, en langue. Dis amen. Très, très important. Quelqu'un me donne un bon amen. Mais qu'est-ce qui doit motiver la prière? Il est écrit dans le livre de Psaume, verset 42, verset 2. Écoute ça. Ce qui doit inspirer, motiver la prière, la puissance n'est pas donnée comme ça, n'importe comment. Faux. Dieu ne donne pas les choses importantes pour rien. La puissance n'est pas donnée pour avoir des enfants. Faux. La puissance est donnée dans un but bien précis. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer. Quelqu'un dit amen. Hein? Annoncer, guérir, dit amen. Donc la puissance, déjà tu l'as savoir, elle n'est pas donnée pour toi. Elle n'est pas donnée pour ton confort. Elle n'est pas donnée pour ton plaisir. Elle est donnée afin que tu ailles et que tu fasses du bien. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, de ville en ville, de quartier en quartier, de territoire en territoire. Pourquoi de territoire en territoire? Les amis, réveillons-nous. Chaque territoire a ses spécificités. Chaque quartier a ses spécificités. Paris, il y a 20 arrondissements. Chaque arrondissement, il y a des quartiers. Chaque quartier, il y a un chef de quartier. Chaque arrondissement, il y a un maire. Et à le maire central. Dans le monde des esprits, c'est la même chose. Chaque territoire a une autorité. Chaque quartier a un chef, un prince. Et quand tu vas aller libérer les âmes de ce quartier, ce prince va s'opposer à toi avec ses troupes. Dis amen. Ils vont te résister. Ils ne veulent pas que les habitants soient sauvés. Ils ne veulent pas que les gens soient libérés. Ils ne veulent même pas que les gens soient guéris de leur maladie. Et toi, tu veux y aller. Au nom de Jésus, avec le zèle. Ton zèle ne sert à rien. Tu as besoin d'être revêtu de la puissance. Quelqu'un dit amen. Dans le psaume 42, il est écrit, comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Comment on fait pour recevoir de Dieu sa puissance? Il ne la donne pas à tous les croyants. La preuve,
On est rempli du Saint-Esprit. L'eau est au niveau des chevilles. Éventuellement au niveau des genoux. Éventuellement au niveau des mollets. Mais les mollets ne me permettent pas de nager. Voilà pourquoi tu es frustré. Parce que tu n'as pas encore atteint le bon niveau. Attends-toi à Dieu. Demeure. Persévère. Quelqu'un dit amen. Voilà pourquoi il faut des retraites. Tout le monde doit avoir des retraites. Mon frère, si Jésus a eu des retraites, si Jésus a prié parfois certaines nuits, si Jésus a fait des veilles tout seul, tu dois avoir des retraites seules, des retraites avec les frères et les sœurs, des retraites seules. Si Jésus a prié parfois certaines nuits, tu dois prier toi-même seul la nuit. Tu m'entends? Si tu ne m'as pas entendu, ce n'est pas grave. Celui qui a entendu dit amen. Tel il est, tel nous sommes, tel il fait, tel nous faisons. Et quelqu'un dit amen. Il dit, tu vois, le psalmiste dit que lui, il est comme une biche. La biche, tout ce qu'elle cherche, ce sont les eaux. Elle est dans les territoires secs, dans les territoires dry, désertiques, désolés. Elle cherche désespérément des cours d'eau. Et les biches passent leur temps à chercher des cours d'eau. Et quand ils se rendent compte qu'il y a un cours d'eau, et puis ils arrivent, ils disent, oh non, c'est du sable. Les cours d'eau ont été remplacés par du sable. Ils disent, non, cherchons, cherchons. Elles cherchent désespérément des cours d'eau. Parce que leur vie dépend des cours d'eau. Il dit, comme la biche soupire après les eaux, moi, oh Dieu, je soupire. Le mot soupirer veut dire, je te cherche. J'ai soif de toi, mon Dieu. Je n'ai pas soif du mariage. Oui, célibataire, je suis d'accord. Je n'ai pas d'enfant, d'accord. Mais je te cherche toi, parce que toi, tu es la source de tout. En toi se trouvent les fontaines de la vie. Quand je cherche Dieu, on ne fait pas semblant. Tu peux chercher Dieu, tu peux prendre un temps de jeûne pour ton mariage, c'est vrai. Mais là, ce n'est pas ça qui donne la puissance. Non, 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 Dieu peut t'exaucer. Dis amen. Dieu peut t'exaucer, bien sûr, d'ailleurs, Dieu exauce. On peut jeûner pour nos problèmes. Mais je ne te parle pas de ce genre de jeûne. Je te parle d'être revêtu de la puissance pour devenir un témoin. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi si peu marche dans la puissance. Si peu paye le prix, parce qu'il y a un grand prix à payer. Ah oui, il y a un prix à payer. Il dit, mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de Dieu. Mais il précise, mon âme a soif du Dieu vivant. Il ne dit pas de Dieu, du Dieu vivant, du Dieu qui agit, du Dieu qui est réel, du Dieu qui prouve qu'il est encore en vie, du Dieu qui agit encore. Pourquoi il dit? Parce qu'il dit, je vois la sorcellerie opérer, je vois les œuvres maléfiques opérer, je vois les rebelles, les esprits de rébellion être libérés dans les quartiers, libérés dans les villes. Je vois que le mal existe comme si Dieu n'existait pas. Il dit non, mon âme a soif du Dieu vivant. Il faut que l'on voit que Jésus le Messie est vivant. Il dit mon âme a soif, mais j'ai soif d'un Jésus qui montre à ma génération qu'il est encore vivant. Je veux que l'on sache à travers moi que mon Seigneur, ça c'est pour ceux qui aiment Jésus. Tu vois déjà là même, tout le monde n'aime pas Jésus. Et tout le monde n'aime pas quoi? Tu crois qu'à l'église tout le monde aime Jésus? Non, beaucoup ne l'aiment pas, mais je parle à ceux qui l'aiment. À ceux qui veulent, à ceux. Oh. J'ai vu des cadres, des directeurs généraux d'entreprise qui aiment plus leur métier que Jésus. J'en ai vu beaucoup parce que c'est mon milieu. Ils sont là, oui, je suis directeur général, pasteur. Vous aussi, vous êtes des Jésus? Non, moi je suis un témoin. Moi je marche dans la puissance des signes, des miracles. Je ne suis pas comme toi. Moi je ne suis pas là pour ma carrière. Ma carrière à moi, c'est de plaire à Jésus. Ma carrière à moi, c'est de glorifier Jésus. J'ai un plan de carrière, j'avoue. Mon plan de carrière, que Jésus le Christ soit visible. Que Jésus soit entendu. Que Jésus soit annoncé. Que Jésus soit élevé. Quand je passe quelque part, il faut que les gens disent, waouh, Jésus est vivant. Waouh, on croyait que Jésus était mort. Mais à travers cet homme-là, on voit que Jésus vit encore. On voit que Jésus qui donne la mort, il donne la vie aux morts. Oh, quelqu'un donne un amen. Il dit, mon âme a soif d'un Dieu qui est vivant. Pour beaucoup, je vous le dis, dans vos familles, dans nos territoires, les gens ne croient pas. Les gens ne croient plus. Il y a une puissance de la séduction, une puissance de l'incrédulité. Tu crois que les gens sont incrédules volontairement? Ils sont incrédules parce qu'il y a des puissances maléfiques. Voile, il est voile. Afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile.
afin qu'ils ne croient pas. Nous avons été dans les territoires, dans les quartiers, je vous dis, où les puissances qui contrôlent le quartier ont dit, ici, on ne va jamais servir le Dieu des Blancs. Je leur ai dit, mais Jésus n'est pas le Dieu des Blancs. Il est le Créateur des cieux et de la terre. Et il m'a envoyé. Je défie les puissants de la sorcellerie. Ils m'ont dit, on va vous détruire. J'ai dit, on va voir. L'onction de Dieu n'est jamais meilleure quand il y a des conflits. Quand il y a des conflits, ça réveille. Tu sais pourquoi? Parce que je sais que de mon cœur, je soupire pour que Jésus soit manifesté. Pour qu'on le voit, pas moi, mais lui. Voilà pourquoi on parle du cœur pur. C'est facile de vouloir dire, de chercher un grand nom. Ah, on est à ICC. Je veux prêcher ici pour être connu. Je m'en fous. Tu m'entends? Je m'en fous. Je n'ai pas de plan de carrière. Je prêche, je m'en fous. Je prêche pas, je m'en fous. Quand Dieu m'appelle, il y aura toujours quelqu'un qui va m'écouter. Il y aura toujours quelqu'un qui va être sensible. Parce que j'ai un appel pour être un témoin de Christ. Je parlais avec le directeur général la semaine dernière d'une grande entreprise de télécom. Il dit, DG, je suis impressionné par votre manière de faire. J'ai dit, moi, je ne suis pas impressionné. Mais moi, mais même les grands patrons d'entreprise qui sont dans des loges, ils viennent me voir et disent, mais DG, comment vous faites? Vous avez beaucoup de lumière. J'ai dit, non, je suis la lumière du monde que personne ne peut éteindre. Si la différence entre vous et moi, c'est que moi, on ne peut pas m'éteindre. Je suis inatteignable. Oh. Tu sais pourquoi? Je transporte la présence et la puissance. Cette grâce va venir sur toi aujourd'hui. Oh. Mais moi, j'ai soif que l'on voit que Jésus est vivant. Dis amen. Il dit, quand pourrais-je me présenter devant Dieu? Pour la prière. Quand pourrais-je venir prier devant mon Dieu? Répandre mon cœur devant mon Dieu. Donne-moi la suite. Qu'est-ce qu'on pourra dire? Mon âme a soif. Quand vais-je me tenir devant Dieu? J'ai hâte d'aller à la maison de l'Éternel. Il dit, oh Dieu, mes larmes sont ma nourriture. Tu es arrivé à ce niveau-là. Tu es arrivé à ce niveau-là. La puissance de Dieu est donnée aux gens qui pleurent. Mais ils pleurent pourquoi? Afin que mon Dieu, mais pourquoi il y a autant de misère? Pourquoi il y a autant de pauvreté? Comme si Jésus, tu n'es pas vivant. Pourquoi les gens souffrent? Pourquoi Satan maltraite autant les gens? Seigneur Jésus, les gens sont oppressés. Les gens sont tourmentés. Et ils ne croient pas en toi. Quand on leur parle de toi, ils ne croient pas. Ils disent que votre Jésus n'existe pas. C'est la religion. Comment faire pour leur montrer que la religion n'est pas la réalité? Que Jésus est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur Jésus, il faut que tu fasses quelque chose. Et la nuit, tu pleures. Tu vois la condition des gens, tu pleures. Tu vois la condition des populations, tu as mal. Tu dis, mais Seigneur, est-ce que tu es sérieux? Tu ne peux pas faire comme moi. Tu dis, Seigneur, est-ce que tu es sérieux? Donc, Père, tu as fait tout ça pourquoi? Pour que Satan domine les familles, pour que le diable maltraite les populations. C'est-à-dire que, surtout en Afrique, les sorciers sont orgueilleux. Hein. Ils ont juré, dans leur territoire, là, personne ne sera sauvé. Ils ont juré que même toi, qui as accepté Jésus, tu vas souffrir toute ta vie. Ils vont te téléguider par les puissances qui sont plantées en toi. Parce qu'ils savent qu'il y a des alliances qui parlent encore contre toi. Oui, le sang de Jésus a été versé pour toi. Pour que tu sois libre. Mais tu n'es pas encore libre. Le sang de Jésus, c'est la rançon qui a été payée. Mais les gardiens des prisons ont dit, toi, tu ne sortiras pas. On sait que tu es libre, mais tu ne sors pas. Ils sont rebelles. On les appelle opposants. On les appelle adversaires. On les appelle ennemis. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit de te garder, mais ils te gardent en otage. Toi, pas de mariage. Toi, pas d'enfant. Toi, échec. Toi, pauvreté. Va en France. Tu penses que la France va te sauver? Petit, le monde est spirituel. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de barrière. Autant il est au village, autant il est dans ta chambre. Tu t'en sortiras pas sans nous. Et toi, tu dis, je vais à ICC. Ils s'en foutent. Ils s'en moquent complètement. Tout ce qui l'intéresse. Il dit, un sacrifice a été fait ici, il y a 350 ans. Tes parents étaient nos otages. Tes parents t'ont livré à nous. Tu as été consacré. Des sacrifices ont été faits. Mais comme toi, tu ne connais pas les règles d'engagement, tu es en train de souffrir. Le sang de Jésus, c'est la base légale pour dire, non, tu n'as pas le droit.
Mais pour qu'eux ils lâchent, il faut que la puissance qui sort d'eux, si elle est de 100 watts, il faut que toi tu génères au moins 150. Quand tu génères 150, voilà pourquoi tu as besoin d'être un homme, une femme de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, mes larmes sont ma nourriture nuit et jour. Car on me dit, où est donc ton Dieu? On me dit sans cesse, où est ton Dieu? Votre Jésus là, il est où? En Europe, on a partout. Les gens ne croient plus que Jésus est vivant. Voilà pourquoi ils font des choses, ils s'en foutent. Ils blasphèment le nom du Seigneur. Et toi, tu es choqué, tu dis, on va faire la marche pour Jésus. C'est bien, c'est pas mauvais, gloire à Jésus. Il faut faire la marche. Mais à la fin de la marche, dis-moi, combien d'âmes ont été sauvées? Combien d'âmes ont été délivrées? Combien croient que Jésus est vivant? Nous, on fait la marche pour Jésus. Et une semaine après, ils font leur marche à eux. Et ils en ont plusieurs. Quand tu dis, mais nous, on a marché pour Jésus. Non, c'est pas ça le témoin. C'est pas ça le témoignage. Il faut que tu apprennes à crier devant Dieu. À pleurer devant Dieu. C'est pas des pleurs qui viennent de toi, hein. C'est des pleurs qui viennent des fardeaux. Néhémie a entendu que ceux qui sont restés à Jérusalem sont captifs. Il a dit, non, je ne peux plus manger. Il y a des fardeaux que Dieu va mettre dans ton cœur aujourd'hui. Comment peux-tu être indifférent? Tu dis, bon, le peuple a dit, osez Jésus. C'était la vision. Osez Jésus. Allez évangéliser. Toi, tu as fait quoi? Combien de nuits as-tu passé pour dire, oh Dieu, mets tes fardeaux en moi. Mets tes fardeaux en moi. Il y a des choses que Dieu ne fera pas parce que tu ne demandes pas. Tu te satisfais. Ok, on va sortir pour aller évangéliser. Pour toi, c'est comme un exercice de style. C'est comme aller faire le cours chez Carrefour. On prend les pancartes. Osez Jésus. Ce n'est pas ça, être témoin. Avant de sortir, dans ta chambre, ça se passe. Les choses se passent dans la prière. Mes larmes sont ma nourriture. J'en ai marre qu'on ridiculise mon Jésus. J'en ai marre qu'on parle de Jésus comme s'il n'avait rien fait. Jésus meurt, Jésus a mal parce qu'il voit que son nom est bafoué sur la terre. Et ces pauvres diables, ils disent, nous ici, on est les esprits des autres, on contrôle le territoire. Tout le monde ici nous appartient. Quelqu'un doit avoir mal au point que ça t'empêche de dormir. Ça te fait pleurer de voir les gens souffrir. Pleurer de voir. Moi, j'avais mal quand je voyais que les entreprises, là où j'habite, là où je suis, elles ne prospèrent pas. Toutes les entreprises échouent, lamentablement échouent. Et c'est le fléau en Afrique, notamment en Afrique centrale. Toute entreprise publique, un naufrage. 80%, dès que tu les crées, elles vont échouer. Tu dis, Seigneur, il faut bien que ce monde la voie, que tu es celui qui donne la vie aux morts. Que quand un homme est mort, tu peux le ressusciter. Mais quand une entreprise est morte, Seigneur Jésus, est-ce que tu es mort vraiment ou bien tu es vivant? Manifeste-toi, montre-le. Mais ça, ce n'est pas les discours. Je prie la nuit, je prie le jour, je sacrifie des week-ends, je me tiens dans la présence de Dieu et je crie à Dieu. Seigneur, il y en a marre. Soit tu es vivant, soit tu n'es pas vivant. Mais je sais que tu es vivant. Fais quelque chose, débrouille-toi. Même si tu me... Je ne veux pas être pasteur. Je veux juste être un instrument que tu vas utiliser pour manifester ta gloire. Je ne cherche pas les titres. Je ne veux pas être apôtre. Je veux seulement que toi tu sois vu. Pas moi, mais toi. Moi, tu cherches quelqu'un. Seigneur, qui enverrai-je? Qui marchera devant nous? Seigneur, moi, je n'ai pas les moyens. Toi-même, tu sais que je ne suis pas le bon gars. Mais si tu n'as personne, alors Seigneur, et ma kaïd, mais où ça? Et d'arratora, mia, et monde carada, mia, écouta, rapunda, oh papa, ima, mima, les gens meurent de cancer, pourquoi? Ah, moussia, rouka, kaka, 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 mia, ikondia, rakata, pourquoi? Tu es vivant, tu es moya. Ah, oh, Miyako Mendia, Ratoma, les gens ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas. Puissance de l'incrédulité, et elles sont puissantes, attention, hein, ne les sous-estime pas. Des nations entières sont plongées dans l'incrédulité. Tu crois qu'il faut exprès? Non, il y a des puissances, des princes, des esprits maléfiques de haut rang qui contrôlent. Ils ont dit, ça c'est pour nous.
Ils ne seront pas sauvés. Ils sont puissants. Mais ils ont oublié. Quand Jésus priait, il a dit, quand vous priez, rappelez-vous à la fin de votre prière, dites au Père. Et ils ont la puissance, beaucoup de puissance. Mais Abba Père, c'est à toi, pas à toi, qu'appartient le règne. Eux, ils ont le règne, ils dominent, mais à toi appartient le règne, la puissance et la gloire. Ils veulent la gloire. Dieu veut passer par toi afin que sa gloire sur la terre soit visible, afin que son règne soit établi. Et toi, tu donnes un mot, amen. Ça passe. Il n'y a pas de conquête sans puissance. Il n'y a pas de puissance sans prière. Mais quelle prière? Les prières d'édification, c'est vrai. Mais les prières d'intercession. Parce que quand on rentre, il faut que les gens sachent que tu es Dieu. Il a dit, quand vous priez, demandez au Père. Et avec moi, Père. Il dit que ton nom soit sanctifié. Français facile veut dire que ton nom sur la terre soit glorifié. Mais il y a des forces maléfiques qui ont dit, ça n'arrivera pas ici. Il est dans le ciel. Il nous a envoyés sur la terre. Ici, là, on règne. Et tous les hommes disent, ok, ok. Non, des hommes doivent se lever pour dire, non, il faut que Jésus soit glorifié sur la terre à travers ma vie. À travers ma vie. Là où ils ont mis le règne de la maladie, le règne de l'incrédulité, le règne des infirmités, le règne de la sorcellerie, le règne du fétichisme, le règne de l'échec, de la pauvreté. Oh, il dit, à toi appartient le règne. Il faut que ton règne vienne. Quand le règne, quand tu appelles le règne de Dieu, le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit qui manifeste le règne, il n'attend que ça. Il dit, bon, comme tu m'as appelé, je vais démontrer à ta famille, je vais démontrer à ta génération que moi je suis le roi. Et quand je viens, les puissants de la maladie, de la sorcellerie, les puissants des chefs doivent dire, ah, le roi est arrivé. On l'appelle le maître des esprits. On l'appelle l'esprit roi. Quand il vient, il établit la majesté de Jésus. C'est lui qui vient glorifier Jésus sur la terre. Oh, quelqu'un me donne un amen en son honneur. Mais ça n'arrive que lorsque tu pries. Quelle prière? Les prières d'intercession. C'est pas, donne-moi un enfant, donne-moi à manger. Non, Seigneur, les âmes sont perdues, il y en a marre. Pourquoi tu es mort? Pourquoi tu es mort? N'est-ce pas pour la rédemption de l'humanité? Alors débrouille-toi, sers-toi de moi. Ne me donne pas un titre, je ne veux pas de titre. Mais je veux être ton canal, ton instrument. Révèle ma vie de prière. Afin que par moi, que le nom de Jésus soit glorifié. Donc rien de moi, tout c'est Jésus. Rien pour moi, tout c'est Jésus. Quel que soit le couloir dans lequel tu me mets, si tu me mets quelque part, ils vont savoir que mon Jésus règne. Ça veut dire que quand tu es témoin, par toi, garantie, les âmes seront sauvées. Les malades seront guéris. Les oppressés seront libérés. Pourquoi? Parce que le diable est orgueilleux. Ces démons sont très très orgueilleux. Point de salut pour lui. Tu dis non. Ils ont dit ça, Seigneur. Seigneur, lève-toi. Et là, tu passes toute la nuit. Rokopandeteba. Nos sauvés radia. Je suis là, je t'attends. Que tu te lèves. Que dans ce pays, que dans ce quartier. Aïe, 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 barakat. Ils ont dit que toi, tu es le Dieu des Blancs. Oh Seigneur, ça m'a fait mal quand j'ai entendu ça. Je suis allé prier, j'ai dit Seigneur, je me suis enfermé la nuit. J'ai dit Seigneur, je refuse d'entendre cette parole. Ils doivent savoir que tu es vivant. Et il y a même des agents du diable qu'on appelle des grands sorciers. Ils sont grands, ce sont des poussières devant moi. Seigneur, ils ont dit qu'on ne pourra pas tenir cette campagne d'évangélisation. Ils ont dit qu'ils vont empêcher. Et pendant la campagne, ils envoient des agents du diable, des sorciers qui travaillent avec les signes du zodiaque. Ils opèrent de toutes sortes de manières pour empêcher les âmes d'être sauvées. Et puis à la fin, ils disent, oh, mais on ne comprend pas. Et même, ils envoient le mensonge, les accusations, les injures, les calomnies contre moi. Tout ça pour discréditer, pour que les gens ne viennent pas. Mais nous, on engage la prière. On dit, Père, tu as un peuple nombreux dans ce quartier. Tu as un peuple nombreux, attire-les, attire-les, attire-les. C'est toi. Tu as dit, nul ne peut venir à moi.
Si le Père qui m'a envoyé ne les attire, attire-les. Et Saint-Esprit, souffle dans le quartier. Tire-les comme tu as fait au jour de la Pentecôte. Souffle, pousse-les, pousse-les, pousse-les. Eux, ils viennent. Où on va? Eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils viennent. Ils se retrouvent sur le lieu de la campagne. Je ne sais pas pourquoi je suis venu. Je me sentais poussé. On appelle ça le souffle de Dieu. L'Esprit de Dieu te pousse. Mais ça se passe dans la prière. Quelqu'un doit avoir le fardeau des âmes. Quelqu'un donne un bon amen. Vous recevrez le Saint-Esprit et ça. Restez dans la vie. C'est ce que le Père avait promis. Le Père le veut. Le Père ne veut pas que tu marches ordinairement. Alors ça suffit. C'est l'heure de la prière. Il faut qu'on prie. Quelqu'un veut être un témoin. Quel que soit le secteur d'activité, quel que soit ton âge, Dieu veut faire de toi un témoin. Si c'est toi, je veux entendre ton amen. Dis avec moi, le Père me l'a promis. Le Père a promis quoi? Que tu recevras le Saint-Esprit. Ça, tu l'as déjà reçu. Mais aujourd'hui, tu peux le recevoir dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle mesure. La plénitude à un autre niveau. Et aujourd'hui, le revêtement à un autre niveau. Tout dépend de la soif. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? Oh. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit et sa puissance. Et vous serez mes témoins. Mais mon point, c'est ce que le Père avait promis. Le Père le veut? Est-ce que toi, tu le veux? Le sang de Jésus a été versé pour que toi tu deviennes enfant de Dieu. Tes péchés pardonnés, purifiés. Que la puissance de Satan dans ta vie soit brisée. Le Père l'a voulu, dis amen. Mais le Père aussi veut que tu ne marches pas comme quelqu'un d'ordinaire. Il veut que tu marches dans une puissance qu'on appelle la puissance de Dieu. Aujourd'hui, même si c'est au niveau 10, à 100 watts, à 150 watts, à 500 watts, quelqu'un doit recevoir la puissance de Dieu. Et ça, ça dépend de ta faim. Quelqu'un me donne un bon amen. Luc 24, verset 49. Il est écrit, j'enverrai sur vous. Ah, ça vient sur vous, ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville. Dis avec moi, je suis là, Seigneur. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mais il envoie ce que le Père avait promis. Le Père t'aime tellement, acclame-le. Acclame le Père. Oh, mais il faut là. Oh, mais il faut acclamer Yahweh. Mais il faut acclamer le Père. Les acclamations pour le Père ne sont pas au bon niveau. Les acclamations ne sont pas au bon niveau. Les acclamations ne sont pas au bon niveau. Le Père l'a promis. La qualité de ton acclamation, c'est la qualité de ce que le Père est sur le point de faire. Que ceux qui aiment le Père acclament le Père. Ah, le Père. Ama Yaba. Alors tu vas prier pendant quelques instants. Moi, quand je dis quelques instants, après je me rends compte que j'ai prié pendant 20 minutes. Donc là, on va juste dire avec moi quelques instants. Lève ta main droite. Père. Oh Père. Oh, dis encore, oh Père. Dans le nom de Jésus, je me tiens devant toi. Tu as répondu le sang de Jésus à cause de moi. Je te rends grâce, Père. Mais maintenant, tu avais promis de me remplir du Saint-Esprit et de sa puissance. Père, Père, tu es bon, tu es fidèle. Je te demande conformément à ta promesse, réponds sur moi maintenant. Maintenant, Père, je lève ma main. Accorde-moi la grâce d'être rempli du Saint-Esprit. Accorde-moi la grâce d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et lève ta voix et demande maintenant. Demande maintenant, demande maintenant, demande maintenant,
Demande maintenant, demande maintenant. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Shaka daga daga, mama shaka taka. Élève ta voix. Tu es sur le point de recevoir. 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 Élève ta voix. Élève ta voix. Oh, élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Est-ce que tu es en train de parler? Le Père l'a promis. Le Père l'a promis. Le Père l'a promis. Je suis là. Le Père l'a promis. Oh, le Père, je prie. Il est écrit dans Matthieu 21, au verset 22. Donnez-moi Matthieu 21, au verset 22. Chacun devant soi-même. Le Saint-Esprit est là. Il est écrit, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez, tout ce que tu demanderas, avec la foi, par la prière, tu le recevras. Tout ce que tu demandes, par la prière, avec foi, avec foi, avec foi, avec foi. Oh, élève ta voix. Tout ce que tu demandes, par la prière, avec la foi. Machaka brakate, les bracos sont brakates. Imanda barata, bébé. Andala brata, les machins de leba, rabababa, les machins brakates. Tout ce que, écoute-moi mon frère, tout ce que tu es en train de demander, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu demandes? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu demandes? Tu as rendez-vous avec l'église. Tu as rendez-vous avec l'église. Tu as rendez-vous avec l'église. Est-ce que tu élèves ta voix? Chacun est devant Dieu. Chacun pour soi. Élève ta voix. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit est venu sur chacun d'entre eux. Chacun d'entre eux. Chacun d'entre eux. Chacun d'entre eux. Le Père entend tout ce que vous demanderez aujourd'hui. Avec la foi. Tu demandes quoi? Je demande, Père, d'être rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Je demande, Père, d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Oh non, non, j'en ai marre de subir. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu ne veux pas que je subisse. Hé, hé, c'est quoi cette prière timide là? C'est quoi cette prière timide? Priez avec ardeur. Priez. 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 La prière fervente. La prière fervente. La prière des assoiffés. La prière des embrasés. Tout ce que tu demandes. Tout ce que tu demandes. Avec foi. Tu vas le recevoir. Tu vas le recevoir. Tu vas le recevoir. Qu'est-ce que tu demandes? Fils de David, fils de David, sécurité, préparez-vous. Mandela bratatatata, ina, aya, élève ta voix. Celui qui demande, qui le demande avec ferveur. Celui qui demande avec ferveur. Celui qui demande. Enlevez le verset. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez, vous le recevrez, vous le recevrez. Tout ce que tu demandes, je demande à ma Père la plénitude. Je ne veux pas rester à mon niveau. Je demande la puissance, la puissance, la puissance. Oh, power, power. Chagada, dans mon domaine, je vais être un témoin, mais j'ai besoin de ta puissance. Un pasteur opérant dans la puissance, un étudiant de puissance, un cadre rempli de la puissance. Je demande, c'est la promesse, c'est ta promesse, c'est ce que toi tu veux. Abba Père, encore 30 secondes. Encore 30 secondes. Demande avec énergie. Demande avec hardiesse. Fils de David. Bartimée avait demandé avec hardiesse. Mais où sont ceux qui ont faim? Où sont ceux qui ont soif?
Mon frère, il faut prier. Magosha, aya, emi ala roba, mandayaba. Père, le peuple que tu as convoqué là, le peuple que tu as appelé là, tu es un Dieu fidèle. Oh Dieu, qui écoute les prières, tous les hommes viendront à toi. Nous sommes devant toi en ce jour de séminaire, de conférence, où tu nous as dit que tu veux faire de nous des témoins. Mais des témoins, il faut la puissance. Il y a des âmes que tu as préparées. Hey! Hey! Ya! Shada! Shada! Abarako kata kata, menda barako sobe, emande le koria. Ah. 10 secondes. Il en manque 7, 6, 5, 4, 3, 1. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié. Celui qui a prié, il est écrit, tout ce que vous demanderez avec par là, je n'ai pas entendu, par là, vous le recevrez. Acclame Dieu comme quelqu'un qui a reçu. Maintenant. Alléluia. Arama chandele boro sopreke. Omenda bara isopraka. Quelqu'un dit amen. Dieu nous a appelés à être témoins. Quand tu as prié, Dieu a entendu. Et si tu es sincère, Dieu a entendu. Maintenant, c'est le temps que Dieu pour toi de voir l'exaucement à ta prière. Dieu veut t'exaucer. Quelqu'un me donne un bon amen. Dis avec moi, Dieu m'exauce maintenant. Parce que quand je prie, Dieu exauce maintenant. Dieu exauce maintenant. Dieu exauce maintenant. Première catégorie qui vont voir l'exaucement. Nous sommes ici à Paris. Plusieurs sont avec nous en connecté. Il n'y a pas de puissance s'il n'y a pas de vie de prière. Et quelle vie de prière? La vie des intercesseurs. Les intercesseurs sont les premiers partenaires de Dieu sur la terre. Beaucoup d'entre nous ici, la vie nous a endormis, fatigués. Ceux qui avaient reçu cette grâce se sont assoupis par les soucis de la vie. D'autres n'ont pas encore reçu la grâce de l'intercession. Personne n'est témoin, jamais, s'il n'a pas la vie de l'intercesseur. Autrement dit, la grâce de l'intercession pour toi, elle est capitale. C'est la première grâce. C'est celle-là qui va te pousser dans le lieu secret. Allez, crier à Dieu. Pas pour toi, mais pour que son nom soit glorifié. Veux-tu que le nom de Jésus soit glorifié? C'est l'intercession. Pas d'intercession, Jésus ne sera jamais glorifié par toi. Mais quand j'intercède, quand je suis poussé par l'Esprit, la grâce de changer le territoire passera par toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première grâce, quand on veut être un témoin, c'est la grâce de la prière, mais la prière des intercesseurs. Le Seigneur va rendre maintenant des intercesseurs prophétiques. Intercesseurs prophétiques. Ça veut dire, vous, Dieu a dit, aujourd'hui, j'équipe mon église. La raison pour laquelle ça t'en fait des dégâts, il n'y a pas assez d'intercesseurs. Il y a trop de sorciers, trop de mal, mais peu de gens qui sont loin. Et ceux qui prient, prient par la chair. Maintenant, dans le nom de Jésus, si Dieu m'a appelé, je lève ma main, je compte jusqu'à toi. Esprit de Dieu, c'est toi qui m'as appelé. Où sont ces intercesseurs prophétiques? Recevez cette grâce maintenant. Esprit de Dieu, saisis-le maintenant. Dieu lève des hommes et des femmes qui vont se tenir dans sa présence. Aidez-les dans les rangées, protégez-les, qu'ils ne se cassent pas, qu'ils ne se fassent pas mal. Dans le nom de Jésus, de ma gauche à ma droite, non,
il y a au moins 136 intercesseurs. 136 personnes. Là où nous sommes rassemblés, dans le nom de Jésus, 136 personnes. Dieu vous met à part. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Le feu. Il faut que des hommes se lèvent. Il faut que des femmes se lèvent. 136 personnes, vous allez sentir. 136 personnes, vous allez être saisies. L'Esprit de Dieu vous saisit maintenant. L'Esprit de Dieu vous met à part. Maintenant, les autres personnes distraites. Il y a 136 personnes. L'Esprit de Dieu, même à l'extérieur, ne soyez pas surpris. Certains sont pris maintenant. Recevez ce feu. Recevez ce feu. Le feu de l'intercession. Dieu lève des hommes et des femmes qui vont se tenir devant lui pour porter ce fardeau. Maintenant, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ne les mettez pas devant. Gardez-les dans les rangées. Père, où sont ces 136 personnes que tu mets à part? Eux, ils doivent savoir qu'ils ne sont pas appelés juste à être pris. Je demande des intercesseurs prophétiques. Des gens qui vont prier en accord avec le ciel. Soulève-les maintenant. Soulève-les maintenant. Soulève-les maintenant. 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 Le feu vous saisit maintenant. Ça se passe maintenant. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu doit rester concentré. La grâce de Dieu vient sur tous, car la prière, la grâce, 136, 136, appelés à se tenir devant le trône de la grâce, appelés à se tenir. J'ai dit, 136, où sont-ils? Esprit de Dieu, recevez cette grâce. Ce feu vous prend maintenant. Saisis-les, Esprit de Dieu, saisis-les. Saisis-les, 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 maintenant, maintenant, maintenant. Oh, 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 Shakata, l'embrekopa, emande la brada, ekopara, mea, mea, mande le bras. Rodobaba, emanda la braga, eco baradia, meco brada, meco shaba, leco brada, emanda leba. Oui, 136 personnes sont en train d'être pris par l'Esprit de Dieu. Ah, il vous accorde une grâce. Vous allez vous tenir devant Dieu, privé de sommeil. Renouvelez constamment dans sa présence. C'est la grâce de Samuel. Les manteaux de Samuel, les manteaux de Patras sont vides. Où sont les Épatras? Où sont les Samuel? Où sont les Samuel? Les hommes qui ont marqué leur génération, qui ont changé de territoire. Où sont les Samuel? Où est ce manteau? Ô Esprit de Dieu, où est ce manteau? Les manteaux de Epaphras, les manteaux de Anne, prophète intercesseur. C'est pas terminé. Ô Esprit de Dieu, touche-les maintenant. Touche-les. Ces manteaux, touche-les. La France, l'Europe a besoin de ces manteaux. Les Samuel, les hommes qui changent les territoires par leur prière, qui changent les quartiers par la prière, dans le nom de Jésus le Christ. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Recevez cette grâce. Que le manteau de l'intercession, l'intercession prophétique, tombe, vienne, réveille, ravive. N'essaie pas d'être levé. Reçois ce toucher. Reçois-le, reçois-le. Dans le nom de Jésus. Un des plus grands besoins de l'église ICC dans cette saison, c'est la grâce des intercesseurs. Écoutez-moi,
Écoutez, les problèmes vont s'intensifier. Et quand les problèmes s'intensifient, Dieu intensifie sa grâce. Afin de ne pas être surpris, Dieu intensifie sa grâce. Voilà pourquoi vous êtes mis à part. Ce n'est pas seulement les 136 personnes, mais c'est ceux qui croient. Je vous dis que tout le monde n'est pas saisi de la même manière. Certains sont saisis de manière spectaculaire, d'autres sont saisis de leur cœur. Mais que cette grâce de l'intercession, lève ta main droite, oh Baka Machata, et Mandala Bratako. Que les portails soient ouverts dans le nom de Jésus le Christ. Que les portails soient ouverts. Dieu appelle maintenant. Il y a beaucoup d'églises à les construire. Maintenant, la grâce va venir sur ceux que Dieu appelle au ministère. Au ministère, les pasteurs, bergers d'église, pas des bergers fabriqués de toutes pièces. Il a dit, mettez-moi à part, Paul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mon frère, ma soeur, Dieu aujourd'hui, pour cette vision, cette saison des conquérants et des témoins, revêtus de la puissance, la grâce va venir maintenant sur ceux qui sont appelés au ministère pastoral. Au ministère pastoral. Pour gagner du temps, je parle au pasteur, esprit de Dieu, mais tu prends aussi des évangélistes. Parce que pour témoigner, il faut des évangélistes. Alors je compte jusqu'à trois. Les pasteurs, les évangélistes qui vont opérer dans la puissance de Dieu. Lève ta main dans le nom de Jésus-Christ. De ma gauche à ma droite, même à l'extérieur, dans les ceux qui sont dans les allées vont être saisis par l'esprit. Ils ne sont même pas là. Esprit de Dieu, prends-les. Si tu les appelais, prends-les. Au nom de Jésus le Christ, mettez-moi à part. Parlez Barnabas. Pour l'œuvre pastorale. Pour l'œuvre d'évangéliste. Esprit de Dieu, où sont ces Philippe? Saisis-les maintenant. Saisis-les maintenant. 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 Recevez. 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 La grâce. L'appel. Vous allez servir Dieu dans le ministère de pasteur, dans le ministère des évangélistes. Que cette grâce vous localise maintenant, maintenant, maintenant. Recevez cette grâce. Aman Chandeba, Ikomalia Brata, Ekara, 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 Ekara. Je ne parle pas de n'importe quel évangéliste. Saint-Esprit, tu parles des évangélistes qui vont opérer comme les Philippe dans la dimension. D'ici 15 ans, on entendra parler de ces évangélistes. D'ici 15 ans, on entendra parler de ces évangélistes et de ces pasteurs. Vous qui n'avez pas été appelé au ministère pastoral, ah bon, c'est ce que vous croyez? Saint-Esprit, touche-les, afin qu'ils sachent qu'ils ont rencontré l'Esprit aujourd'hui. Touche-les, 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 touche-les. Saisis-les maintenant, qui ne doute plus, qui ne doute plus. Certains n'ont pas besoin, mais d'autres ont besoin. Recevez cette grâce. 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 À qui elle est destinée? C'est l'Esprit de Jésus qui appelle Ama, Emma, Naba, Rata, Baba. Et de là, faites la sortie. Mandelebra, Koshadaba. Caméraman, ce n'est pas le pasteur qu'il faut filmer. C'est faut filmer ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire. Ce n'est pas moi qu'on filme. On filme les œuvres du Saint-Esprit. Enlevez votre caméra de ma tête. Filmez ce que Dieu est en train de faire. Montrez ce que Jésus est en train de faire. Il parle et ce qu'il dit arrive. Ce n'est pas le pasteur qu'on filme. C'est ce qui se passe dans la salle qu'on est en train de filmer. Filmez ce que Dieu est en train de faire. Afin qu'ils sachent que Jésus dont nous parlons est un Jésus qui est vivant. Il faut que ceux qui nous voient sachent que nous ne parlons pas pour rien. Nous parlons de la part de Dieu. Et Dieu confirme sa parole. Dieu confirme sa parole. Dieu confirme sa parole. Montrez ce que Dieu est en train de faire.
Makan. Et toi, reste concentré. Tout le monde prie en esprit. Car ce n'est pas encore terminé. Ah oui. Ah oui. Ah. 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 Parante perato. Vous serez mes témoins. Il y a une autre catégorie de personnes que Dieu appelle maintenant. Il y en a qui sont appelés et vous les voyez. Parce que plusieurs grâces doivent se manifester par eux. Esprit de Dieu. Dans ton église. Il y a des écoutez, suivez. Il y a des hommes qui sont mis à part pour être des prophètes de Christ. Ils seront reconnus dans les années qui viennent. De ma gauche à ma droite, et même à l'extérieur, dans le nom de Jésus, tous ceux qui sont appelés au ministère du prophète, au ministère du prophète, ministère du prophète, ministère du prophète, la grâce vient sur vous maintenant, vous le saurez maintenant. Dieu vous avait appelé en juillet 2023, recevez, l'huile vient sur les prophètes, l'huile vient sur les prophètes, la main de Dieu vient sur les prophètes de Christ, les prophètes de Christ, de ma gauche à ma droite. Esprit de Dieu, où sont ces prophètes de Christ dans les 10 prochaines années? Dans les 10 prochaines années. Mais Dieu vous appelle aujourd'hui. Dieu vous confirme votre appel aujourd'hui. Dieu confirme son appel sur votre vie aujourd'hui. Mis à part, mis à part, mis à part, le manteau des prophètes. Que cette grâce vous prenne maintenant. Où sont les prophètes? Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. L'huile du prophète, elle vient sur vous maintenant. L'huile des prophètes vient sur vous maintenant. Dans le nom de Jésus. Recevez cette grâce. C'est Dieu qui vous met à part. Vous ne douterez pas. Vous ne douterez pas. Vous saurez que Dieu vous a appelé. Adabara do komela. Ea, 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 ea. Shana rea. Témoin et conquérant. Envoyé par le Saint-Esprit. Paraneba. Ela, rada, oya. Ea. Omeba, eba, eka. Eka, eka. Eka. Oka. Omandea, Hilaria, Rada, Emande la Brai. Inora dia, Oma inorera eo, Ferrataka, Shandaraka, O Esprit de Dieu, Omendaraka Pado, Emandaraka Taba, Emia Komeda, Esumelikata, Rodobaka. Oui, oui, oui. Ita roto ta 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 ta. Oui. Envoyé, témoin et conquérant, revêtu de la puissance d'en haut. Le temps passe. Inabaka te la barada. Ce n'est pas terminé. Je vais atterrir. Revêtu de la puissance de Dieu. Près des témoins. Tout le monde ne manifeste pas. Mais celui qui croit, c'est celui qui reçoit. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Le Pépé dit toujours qu'il n'est jamais tombé. Moi non plus. Mais j'ai reçu par la foi. La vie du juste, ce n'est pas une vie de sentir. C'est une vie de foi. L'homme qui vous parle n'est jamais tombé. Mais j'ai cru. Et je vois les autres. Ce n'est pas mon problème. Tout le monde ne manifeste pas. Mais ça vient de la foi. Si tu le crois, que tu as reçu, acclame comme quelqu'un qui a reçu. Et quand tu acclames, acclame bien. Que le Père sache que tu apprécies. Que le Père sache que tu apprécies. Rapanya shamande lebros, la mande la barado, et la barre d'abat, les mains sont bradées,
Et la mande et la braille sopré. Tu es fatigué d'acclamer. Et ma chambre que te l'homme se prakata. Et coparadede. Et mande le coria. Commende le brocosco brac. Les mains qui acclament, c'est les mains qui vont recevoir la dernière partie. Dans le livre de Hébreux, chapitre 2, au verset 4, je crois. Hébreux 2, verset 4, il est écrit que Dieu, Hébreux 2, 1, dis avec moi Dieu. Dis avec moi Dieu. Il est écrit Dieu ayant appuyé leur témoignage par des signes, par des prodiges, par divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Dis avec moi les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Il les distribue pour t'aider à devenir et à manifester cette vie de témoin. Dans le nom de Jésus le Christ, le ciel est ouvert. Grand portail est ouvert. Pour la distribution des dons de l'Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, qui m'a envoyé. Ce n'est pas l'apôtre qui fait, c'est l'Esprit qui fait. Et lui répond à ta soif. Et il le fait selon sa volonté. Esprit de Dieu, tu as des dons à distribuer aujourd'hui. Les dons de prophétie. 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 Recevez les dons. Le don de parole de connaissance. L'Esprit distribue. L'Esprit distribue. Il appuie le témoignage. Il donne les dons. Les dons de parole de connaissance. Le don de diverses langues. Le don de discernement des esprits. Le don d'interprétation des langues. Le don de parole de connaissance. Il y a trop de malades. Recevez le don des miracles. Le don des guérisons. Le don des guérisons. Le don des guérisons. Recevez-les. 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 Lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. Reçois les dons. Reçois les dons. Reçois les dons. Le don des guérisons. Le don d'interprétation de langue. Le don d'interprétation de langue. Le don d'interprétation de langue. Tu sens comme un feu dans tes oreilles. Tu sens comme un feu dans ta bouche. Reçois cette grâce. À qui est donnée cette grâce? Il y a comme un feu là. Il y a un feu qui te prend là. Il y a un feu qui est en train de te prendre là. Mandela babara tokobara. Quand les gens vont parler en langue, toi tu reçois la grâce de comprendre. La grâce d'interpréter. Cette grâce est distribuée. Cette grâce elle est libérée. Le don des guérisons. Trop de malades. Trop de malades. Le don des guérisons. Dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu. Oui, tu distribues. Le don des guérisons. Recevez ces dons. Recevez ces grâces. Recevez-les. 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 Les dons spirituels sont donnés pour l'édification du corps. Recevez ces grâces. Recevez ces grâces. Recevez ces grâces. Le don de la parole. Oh! La parole de sagesse. Ce don est relâché. Dans le nom de Jésus le Christ. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous te bénissons. C'est toi qui distribues. Comme toi tu le veux. Comme toi tu l'as résolu. Les mains qui acclament, c'est les mains qui manifesteront. Les mains qui acclament. Les mains qui acclament, c'est les mains qui manifestent. Celui qui acclame timidement ne reçoit rien. Celui qui acclame mollement ne reçoit rien. Mais celui qui acclame avec vigueur. Celui qui acclame avec vigueur. La qualité de ton acclamation, ce n'est pas celui qui est. Hey! Celui qui croit, c'est celui qui acclame. Celui qui croit, c'est celui qui reçoit. Est-ce que nous pouvons exagérer en action de grâce? Pouvons-nous exagérer en action de grâce? Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Élevé soit Dieu. Exagère. Exagère.